C'est une autre semaine d'information qui a démarré sur la télévision nationale d'Haïti. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le téléjournal sous TNH. Mes grands titres pour Assoya. Président Jovenel Moïse visité pendant le week-end passé à centrale électrique dans ville Jérémy. Chef l'État promet libre le travail avec l'équipe li pour rendre fonctionnel moteur dans l'idée pour améliorer production courant. Michel présumé installé lundi 13 juillet comme nouveau directeur général électricité d'Haïti. C'est ministre Travaux publics, Transport et Communication, Nader Joasséus, qui dirigeait cérémonie installation qui déroulait dans le local ministère. Ministère Santé publique et population annoncé 12 juillet 2021, gagné 37 moun en plus qui prend coronavirus. Ça qui baille en total 6727 cas confirmés, 139 moun qui mourit à 2924 moun traités. Centre médical Beraka, dans la commune Port-de-Paix, bénéficie d'un centre en production oxygène. C'est directeur général ministère Santé publique et population, Dr. Lauré Adrien, qui placé le pendant le week-end passé. Et puis, pour première fois, depuis le coronavirus paraît dans le monde, le président américain paraît en public avec un masque dans la figure. Amis téléspectateurs, nous avons invité nous toutes à rester branchés, à retourner tout à l'heure comme ça à développement téléjournal. La nouvelle a l'effet d'une bombe. 50 étudiants sautent fait stage aux États-Unis et retournent contents. Bon Samaritain International School of Nursing vous dit merci à vos parents qui lui avaient confié vos enfants pour ce stage ô combien important. Miami-Dade College Medical Center était heureux d'accueillir nos étudiants en sciences infirmières, auxiliaires infirmières, technologie médicale sur son campus. À travers les différentes salles de travail, véritable champ d'expérience et de recherche, Jackson Memorial Hospital Nursing Lab, le temps de passer d'une salle à une autre, d'une expérience à une autre, Bon Samaritain International School of Nursing montre étudiant Lio pas gain ce qu'on a fait qu'on a en Haïti ou aux États-Unis. Bon Samaritain International School of Nursing, reconnu par le ministère de la Santé publique et de l'Éducation nationale, vous permet d'élargir l'espace de vos tentes. Il ne s'agit pas seulement de ces deux locaux à Tabar et à Delma, ces salles spacieuses, aérées et équipées. Son laboratoire, on dirait un vrai hôpital, mais aussi les stages sur le terrain plus près de nous à Healthcare Center de Miami. Inscrivez-vous aujourd'hui à nos deux adresses, Tabar 25 rue Olucien numéro 26, Delma 41 rue Fernand Boudière numéro 4. Il existe aussi le département professionnel, l'école normale de jardinière d'enfants, la comptabilité, technique bancaire, l'informatique, bureautique, réceptionniste de bureau, le secrétariat bilingue, la communication, animation, radio-télé, la cosmétologie. Venez vous inscrire dès maintenant ou téléphonez au 36 95 20 42, 22 27 82 54, 28 11 32 24. Faites vite, on se bouscule à l'entrée. Bon Samaritain International School of Nursing, un passeport pour l'avenir, un visa multiple vers un métier qui en vaut la peine. Mission Bon Samaritain International School of Nursing Boumbagaï. C'est ça le caoutchouc qui sont dans top 13 pour mettre en bas votre machine ou vous avez de tous côtés pour vous les caposer. Ok. Pas oublier, top 13, c'est fun wash, chire route, gros chiclou. Huh?
De quel beau cerf vous voulez? Top Tarot, c'est Fun Wash, Chile Wood, Poche et Clou. Enfin, on a salué tout le monde et on a souhaité nous une très bonne semaine sur Télévision nationale d'Haïti. Bienvenue dans le développement téléjournal. On a démarré ensemble avec le président de la République, Jovenel Moïse, qui inaugurait l'airport rénové Jérémy vendredi, qui était 10 juillet 2020. Réhabilitation complète aérodrome Jérémien, c'est une des plus grosses revendications que le département grand dans ce pays a été gagné. Nous avons invité nous suivre un compte-rendu avec un collaborateur nous, Sabine Jean-Étienne et puis Jean-Naël Duvernay. Après plus de 6 mois fermé, le président républicain Jovenel Moïse relouvre aérodrome Jérémien pour transport avion entre le département grand dans et l'autre département dans le pays. Ça qui répond à une des plus grosses revendications de la grandance. Président de la commission municipale Ville Jérémien, Claude Harry Milor, applaudit toute réalisation administration Jovenel Moïse l'a fait dans le département de la grandance. Nous connaissons tous les efforts qui font de côté du gouvernement. Particulièrement, nous connaissons le délégué départemental là, qui fait monter, qui s'est M. Jean-Claude Bonton, qui toujours sacrifié pour toute section communale, pour toute commune, pour garder. Qui j'aime nous à vivre et aller au secours. Donc seulement délégué départemental là, il te met fait ça capable, il te met fait toute visite depuis pas de moyen normal. Toute visite ça c'est presque en vain. Donc on pas aimé en vain. On pas aimé c'est nous pour le gouvernement pas continuer accompagner délégué départemental là, ça va créer visibilité président Jovenel en dedans du département, une population qui déjà est le même président, donc une fois que j'ai un service à eux, c'est fini. Différents services dans la partie aérogare là entièrement rénovés. Salle d'arrivée, enregistrement, départ et sûreté. C'est pareil pour piste atterrissage là qui tout neuf coulier à. Il est construit selon exigence Office international aviation civile, d'après ministère PTCA, ingénieur Joaseus Nader. Monsieur le président, l'ouvrage que nous inaugurons ce matin est un aéroport et un aérodrome de type DB de dimension totale 1320 mètres par 80 mètres, dont la piste d'atterrissage asphaltée et orientée est-ouest s'étend sur 1200 mètres de long et 25 mètres de largeur. Cet aéroport pourra accueillir la plupart des avions de type turbopropulseur régional. Aussi, pouvons-nous fièrement déclarer que l'enclavement de la Grédance, ce département si riche en produits agricoles et dont les plages comptent parmi les plus belles du pays, est terminé. Airport Jérémien relouvri dans le moment où la population Grédance a célébré 264 l'année création. 264 l'année après, le président républicain Jovenel Moïse rete kwè, le département a mérité tout ça qui est bon pour le développement à tout niveau. Si je dis, mais il vient de tout pays. Tape ça après le lumière soleil, le lumière la pluie, le mettre un président sans se joindre. C'est nous-mêmes qui nous servons.
Mais pas même qu'il servit nous, on n'a pas facile. Parce que j'ai entendu des chemins à Jean-Papa et Bicard. Sans plus le piquant le rosa qui va dans le midi, qui va arriver quand. Abdi nous a dit à chemin de groupe, nous parlons de quand. Parce qu'il y a un pile piquant. En pile. En pile. Parfois, on passe des notes sans sommeil. Pour réfléchir, pour chercher. Pour comprendre comment il y a des bagages qui vont faire pour café. On prend l'exemple, encore magistrat qui se parle des affaires. Transfert cash là. Nous connaissons environ 200 000 personnes déjà qui trouvaient mes départements dans ce moment maintenant des responsables au fond d'initiation pour moi. Vérifiez zone, déléguer les départements dans là. Est-ce que monsieur, vous départ pas envoyé déjà? Ça veut dire, si monsieur allait, maintenant des responsables, cap gardé là, fouillez fort pour moi. Et puis, ça m'a demandé pour gagner encore. Ce n'est pas seul le monde qui a donné l'issue pour nous. Gardez nos zones, côté monde qui est plus faible. Faire descendre nos transferts cachés dans nos zones. Dans un arrêté présidentiel qui publié dans le journal Le Moniteur, 6 juillet 2021, président Jovenel Moïse décide de transformer l'aérodrome Jérémien en un aéroport international qui a ouvert 24 sur 24. Arrêté ça a déclaré d'utilité publique, route 2A. Côté responsable, a prend deux portions de terrain qui localisé dans zone sud avec l'ouest piste là. Espace ça a étendu sous toute bord principale là pour arriver limite commune bonbon. Dans l'occasion inauguration aéroport Jérémien, président Jovenel Moïse remercier population Grand Anselan pour confiance li di yo placé dans li malgré difficulté yo. Chef l'état mandé moun Grand Nord PIA pour garder calme yo, même gens ak moun Grand Anselan pour permettre travail infrastructure qui commencé dans plusieurs départements dans Grand Nord rivé dans bout yo. On suit yon bout. Département Grand Anselan voté plus passé département côté fête. Moun grandans voté à 90%. Moi fier de nous et nous merci. Merci parce que nous te croyons dans vote nous. Pays lok, ou t'as fait Jérémy. Du fait appelé maintenant tout l'autre côté dans le pays. Rue à asphalte Jérémy. Moun Jérémy, nous merci. Je retire chapeau devant nous pour maturité nous. Je retire chapeau devant nous, moun grandans. Pour capacité nous, pour nous camper des choix nous. Parce que l'on choisit, nous camper des elle. Je suis fier de nous. Et je profite de l'occasion pour parler avec l'autre département, yo, surtout le département côté je sorti, parce que je suis un fils du Grand Nord. Je profite de l'occasion pour venir parler avec le Grand Nord aujourd'hui, pour me dire, mes petites nous. Est-ce que nous avons quitté mon Jérémy pour le net, mon Grand Danse pour le net? Je viens parler avec nous pour me dire, nous travaillons, ça, on est qui fait Jérémy. C'est parce que Jérémy a gagné la paix, c'est parce que le département Grand Danse a gagné la paix. Wout Kafouchal Koray, député Papillon, qui publiquement m'a salué, qui fait l'homme dans la campagne, m'a arrivé, m'a dit un hélicoptère, temps pas bon. Je dis, c'est pas la route pour me baser. Et puis, l'équipe logistique campagne, la dit, président, la pont 7 heures de temps pour sauter Koray, pour venir Jérémy, 7 heures de temps. Je dis, Jérémy Koray, 45 minutes. C'est ça? Jérémy Koray 45 minutes. Même la route là pour qu'on finit. Je profite pour me dire nous. Mais qui sa compréhension avec la paix pour te? Moun nan nord, moun nan nord-ouest, moun nan nord-est. Je dis à moun konen yon pile travail kap fait nan nord-est. Moun konen yon port, yon aéroport, yon gros route, yon barrage irrigation kap fait. Mettez nous ensemble. Suivez sous moun grandans. Ni opposition. Dans grandans même Jean non non mais opposition dans grandans là grandans pas de baio bo pour te bouler pays à Julie sénateur Belize là m'songer là il y a le bouler l'école là il dit président occupe de l'autre côté n'a pas occupé nous de département ça député on a Étienne qui là yo tout m'songer là on ba en conférence de presse dans zone Beaumont là on dit a divisé pays là. Il a monté drapeau pas yo non Jérémy et puis il a fait président venir diriger pour ici. M'pa oublier nous monsieur. M'connais. M'songer. Mais c'est pour me dire moun nan nord-est, moun nan nord-ouest aujourd'hui. Moun Jérémy ça yo.
moun gradans sa yo yote kwè nan vot yo. M ap mande nou jodi a kwè nan vot nou. Kwè nan vot nou même Jacques moun gradans. L'autre département nan peyi a kwè nan vot vot nou même Jacques moun gradans. Mize a du en pile mwen konn sa. Mais changement pa jam facile. Le wap goumen a un système pesé sous se qui l'a depuis yon fin touye de saline. C'est même moun yo. De petit ak papa, même gout bois. Jodi a, mou vini la comme président m'di yo non. Et m'djou non ou même kap gade m'la, assure ou que m'djou non. Parce que sou pa konne m'djou non. Djakout zaka, djakout pe eternel la, djakout peuple la, m'pap kitou fouye men la denan go. Nous sommes dit dans Grand Sitio, ministre de Travaux publics, Transport et Communication, Nader Joasséus, installé Michel Présumé comme nouveau directeur général électricité d'Haïti, EDH. Michel Présumé remplacé dans Posa, Hervé Pierre-Louis. Ministre Nader Joasséus rappelé directeur général tout neuf l'an. Divers travail Captain Lee dans un moment côté gagnon gros diminution dans distribution courant. Michel Présumé Soubopal promet li pral travail pour porter amélioration dans question courant. Li profite voyer jeter bruit cap courir comme quoi dirait la vine privatiser EDH. On suive un extrait. J'ai l'avantage de procéder aujourd'hui à l'intronisation de M. Michel Présumé, ingénieur, comme nouveau directeur général de l'électricité d'Haïti, nommé par arrêté présidentiel en lieu et place de l'ingénieur Nicolas Hervé Pierre. Je voudrais débuter mon propos des circonstances en saluant le passage de l'ingénieur Pierre-Louis à la tête de la compagnie d'État d'énergie électrique. Il a su certes faire œuvre qui vaille dans la gestion d'une institution à fonctionnement aussi difficile que l'EDH. Toutefois, les grandes décisions sont parfois commandées par les conjonctures. Au nom du chef de l'État, en celui du gouvernement et en mien propre, je dis merci à l'ingénieur Pierre-Louis pour avoir su diriger l'EDH dans des conditions difficiles. À l'instar de tous les cadres compétents et patriotes, il est désormais en réserve de la République qui aura certainement besoin de ses services en temps et lieu. Ingénieur Michel Présumé, compte tenu de la délicatesse de ce poste, si les choix du chef de l'État se portent sur vous, il faut croire que votre compétence, votre multiple expérience, votre sens du sérieux et la rigueur qui caractérisent vos actions dans vos fonctions antérieures ont milité en votre faveur. Il faut en effet un cocktail de toutes ces qualités pour mener à bien la mission qui vous est confiée. L'EDH souffre de tous les maux en ce moment. Outre les rationnements drastiques de l'énergie, la clientèle, en grande majorité, ne paie pas le service. Autant dire que vous avez la mission, non seulement d'améliorer le service, mais aussi de travailler à sa rentabilisation. Mon travail à moi, et je dois le dire pour préciser pour tout le monde, et c'est ça qui est le plus important, n'est-ce pas? C'est que je n'ai pas le mandat de privatiser l'EDH. Premier point. Deuxième point, je ne viens pas pour faire la chasse aux sorcières. Troisième point, qui est en corollaire du deuxième, c'est que on ne peut absolument rien faire dans l'indiscipline, dans le désordre. Si nous sommes une compagnie, nous devons travailler pour le bien de la compagnie. Pourquoi? Parce que quand on travaille et que la compagnie prospère, c'est tout le monde qui prospère. C'est tous les cadres qui sont fiers et qui en bénéficient. Mais si nous travaillons pour nous-mêmes, la compagnie va perdre et tout le monde va perdre. Donc je crois que l'idée aujourd'hui, après toutes les conversations que nous avons eues, et je remercie le président de la République qui m'a bien expliqué sa vision, ce qu'il veut faire, et je lui ai dit aussi mes propres préoccupations, je lui ai dit aussi les obstacles, etc.
et nous avons convenu d'aborder le problème de manière à changer ensemble la culture de cette campagne. Et puis après installation, le nouveau directeur général électricité d'Haïti, Michel Présumé, t'es Chita Palé avec ancien directeur général institution, Hervé Pierre-Louis. Rencontre ça t'est déroulé dans le local ministère Travaux publics, transports et communications. Fonctionnement EDH t'est dans mi-temps discussion ça yo. Gain plusieurs cadres à technicien EDH qui t'est présent tout dans rencontre si là. L'autre information à porter pour nous, il y a un ministre Travaux publics, transports et communications, Nader Joasseus, qui est un délégué départemental Sud-Lan, Serge Chéri, et puis divers techniciens qui visitaient dimanche 12 juillet l'usine électricité d'Haïti dans la ville Okaï, département Sud-Pays. Ingénieur Nader Joasseus devait regarder comment l'usine LAN a fonctionné et puis informer sur qui gens distribution courant en fait dans la région sud là. Finalité a c'est pour arriver porter solution à problème qui existait yo. N'a invité nous suivre en bout. Non sorti la grandance, pas oublier non ouais prêt à trois gros groupes électrogènes qui ga fourni 4 mégawatts qui pas même distribué. Jodi ici en tout nous on 1 mégawatt qui va rendre opérationnel. Non pas bon, yo dit non son problème il mais problème dans combien de temps pour dire problème dans ministre m'a pas connait problème dans directeur général là ne doute pas connait et des autres ça ne pas comprendre non logique dans département yo. Et là m'était avec délégué départemental là qui très dynamique m'a dit voyager pour nous et directrice et qui est présenté ministre des Travaux publics là, je me dis voyager pour nous. Et nous demandons, même bagaille, nous demandons Port-au-Prince pour tout le monde qui paye courant. Le président fait diligence pour le courant de Brunei. Il a dit, bientôt il y a un certain changement qui fait dans le courant. Mais depuis qu'on y a, je me dis, il y a 120 heures pour les gens qui prennent prison viennent faire demande de courant ici. Et je me dis, tout, pas quitter mon passé par quatre chemins pour nous faire au compte. Compte à répondre au luxe pour lui. Bah, compte à et faire mon pays courant. Et mon est sûr, courant 24 sur 24 président d'Ian, la privée. Et puis pour nous continuer, à profiter faire qu'on est pendant passage dans le département Grand-Anse, un pays. Hein? Et président Jovenel Moïse a visité centrale électrique Jérémyan pour état espace. Là. Chef l'État fait qu'on est. Li pas satisfait le gars des moun nan Jérémy qui nan fait noir pendant gagnent 3 moteurs tout neuf dans espace là qui pas fonctionner. Jovenel Moïse bay garantie li pral travail ak équipe li pour rendre moteur yo fonctionnel et puis renforcer énergie an nan ville Jérémy. On suit un extrait. M'ap claironner courant 24 sur 24 que m'ka fait et m'konnen m'ka fait si noir avèm. Même moi tout l'état c'est un coup Jean Grand Mounio qu'on dit. Gon groupe moun kap kode, gon l'autre groupe kap décodé. Nous sommes entrés dans la centrale d'ailleurs. Pas de jam gen moun qui te connaît si m'tap visite la centrale là. Li pat nan pour programme moi. Mais comme moi même moi qu'on pays ya. Kote ja pat kon di m'tap descendre dans la centrale. D'ailleurs m'quitte, machine nan fin passer devant centrale, du chauffeur campé là. M'descend. Moun Jérémy. L'état pèse sous ça mérite changer vrai. Parce que ça me souhaite à la li, inacceptable. Trois moteurs, neuf, qui équivalent à 4 MW, qui t'achetaient sous gouvernement président Matéli, moteur tout neuf. Après 7 ans, il va jamais connecter. Et puis, mon Jérémy, il a fait noir. Ça, inadmissible. Je ne suis pas content. Je suis fâché. Et me dit, ministre, ça me dit, je suis fâché. Et me dit, assurer le fait de lui, mon Jérémy, pas prendre dans blackout moi parce que pas gain moteur il a besoin faire venir trois moteurs tout neuf qui pour que j'aime ça veut dire moteur pour que j'aime marcher depuis acheter trois moteurs chaque moteur 1350 MW chaque l'a demandé technicien qui était là combien courant qu'on bail il dit ah ces moteurs ça nous cap marcher mais moteur ça l'état supposé bail 1.3 MW mais il chauffer son mégawatt parce que nous forcer le trop. Toi, l'autre moteur, c'est tout neuf. Si je ne passe pas dans la centrale, là,
Je ne peux pas ça. Ministre de travaux publics qui est avec moi. Je connais ça. Mais ministre, il faut commencer capable. On est qui prend le job de l'État. Ça veut dire que les gens qui depuis qu'on n'a pas de travail, moi, on commence. Et vous y allez. Parce que ça me saute là, ce n'est pas possible. Et je vais entendre les conseillers en énergie, qui c'est Dr. Calix. Je dis tout à fait cessant. Ordre du président de la République. Voyez équipe PAM, non. Je vais me lundi matin. Pour venir regarder qui besoin ou besoin, parce qu'il y a besoin de synchroniser les moteurs. Parce qu'il y a un système de synchronisation qui peut faire tous les trois moteurs. T'as coup pour faire yon. Avec dit le, par exemple, si Villa gagne 1.8 MW de charge, le ça, la pote 1.8. S'il gagne 2, il y a pote 2. S'il gagne 3 tout, il pote 3. Mais les 4 moteurs, ça veut dire 4, 3 moteurs qui égale à 4 MW la font seul. C'est ça où est la synchronisation. Mande pour yon vin là, pour yon vin faire. On a enchaîné rapidement ensemble avec le ministre Travaux publics, Transport et Communication, Nader Joasséus, qui lançait dimanche 12 juillet le projet mission restauration, protection air, captage source et puis forage dans le département Grand Anse, NIP, Sud-Est et Sud-Pays. Un lancement qui fait dans tête collée avec ministre agriculture, ressources naturelles et développement rural et puis directeur général d'INEPA. Il y a 4 sources qui déjà identifiées dans le Grand Sud pour permettre yo fait. Sous ça aussi Boucher dans la Tibolière, département Grand Anse, Bodari dans Grand Gosier, département Sud-Est. Manzé Anne, dans la commune Port-Salut, département Sud, et puis Belvedere, dans l'asile, département NIP. N'a invité nous suivre en compte-rendu avec Richardson Jourdan et puis Hervé Pierre, qui était sous place. Projet Savini, après responsable d'INEPA, dans la tête collée avec TPTC, ministère agriculture et puis ministère environnement, constaté puis force société qu'on exploite pour bailler population de l'eau potable, diminuer la quantité de l'eau était qu'on fournit. Après étudio, responsable yo fait konnen c'est bassin Vincent yo qui fin dégradé qui la cause. Projet ça de permettre yo régénérer système nan et puis faire reboisement nan l'idée pour porter amélioration. La dégradation des bassins versants donc des ressources naturelles en Haïti dans le Grand Sud en particulier. La région a enregistré des perturbations au niveau de l'alimentation en eau potable de la population et même de la production agricole, créant ainsi des stress hydriques dans plusieurs endroits du pays. Mesdames et messieurs, fort de ces constats, en 2018, la DINEPA, à travers l'OREPA Sud, dans le cadre de la mise en œuvre du projet EPAD, financé par la Banque mondiale, a commandité une étude sur 20 sources prioritaires choisies au niveau des 4 départements de la région. Cette étude portait sur la restauration d'une végétalisation naturelle, d'une gestion pastorale et d'une protection des bassins versants des aires de captage des sources et des forages. Selon le guide de référence sur les pratiques de prévention et de lutte contre l'érosion 2012, 25 des 30 des bassins versants du pays sont fortement dégradés, provoquant des fréquentes inondations dans le pays, entraînant un épuisement des sols, voire une disparition des facteurs de base de la production agricole et ayant des effets néfastes sur les infrastructures de production en aval. Dans le département du Sud, plusieurs projets ont été mis en œuvre avec l'objectif d'améliorer la gestion des ressources naturelles et en particulier le phénomène de l'érosion. Très rarement, les résultats escomptés ont été achevés.
L'autre objectif projet ça, d'après ministre agriculture et ressources naturelles et développement rural Patrice Sever, c'est faire recharge nappe là pendant le fait qu'on a son projet qui entre tout dans 4G fort administration président Jovenel Moïse pour bailler réponse à problème de l'eau dans pays. Il s'agit pour le pouvoir de maîtriser tous les contours de la problématique de l'eau et saisir avec un niveau de précision les usages qui pourront être faits au bénéfice des populations issues des masses rurales et urbaines du pays. Des études sur les trois rivières en vue d'érection de barrages permettant la mise en valeur de la plaine des moustiques dans le nord-ouest, des études de 8 sites au niveau du plateau central sur l'affluent de la rivière Cano et la construction du barrage de Marion dans le nord-est en sont parmi celles qu'il convient déjà de mettre à l'actif du gouvernement. À cela s'ajoutent d'autres projets similaires dans le sud portant sur la mitigation des désastres naturels, le renforcement des services publics agricoles, l'innovation technologique et l'agroforesterie, tous réalisés dans le sud. Ministre Travaux publics, Transports, Communications, ingénieur Nader Joasseis, qui te fait lancement projet ça, quoi? C'est toute instance en dans pays qui doit mettre tête ensemble pour résoudre problème ça. Pendant 18 ans, le projet a bien géré dans le bénéfice population. Ces quatre départements dont le regroupement est connu sous le label Grand Sud à l'opposé du Grand Nord. Honneur et devoir, oui, mais il est aussi question de patriotisme, de civisme et d'humanisme. Ma présence à cette cérémonie part donc de bon naturel. En effet, l'eau est essentielle à la vie. Disons mieux, l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est nous. Par conséquent, ne nous imaginons même pas la vie sans eau sur la planète Terre. A fortiori, en Haïti. Pourtant, la présence de l'eau en tant que ressource vitale est menacée. Oui, menacé. Projet ça a un financement Banque mondiale pour environ $500,000 américains, d'après responsable bio. Nap continue tout de suite avec directeur général Direction nationale de l'eau potable et assainissement, Guito Edouard, qui visitait pendant le week-end passé à bureau tout neuf d'INEPA Gagné dans la commune Aquin. Bureau ça construit grâce à support coopération espagnole en Haïti, d'après sa responsable fait connaître. Pendant visite ça, DG d'INEPA a gagné ensemble avec lui plusieurs techniciens institutions et puis cadres et techniciens dans le ministère Travaux publics et communication. Richardson Jourdan et Hervé Pierre pour plus de détails. Bureau d'INEPA qui est dans la commune Aquin, Chitacol, sur 300 mètres carrés. Li gen plusieurs espaces pour permettre technicien yo faire travail yo et puis en l'autre partie pour yo loger yo di respecter toute norme yo d'après responsable yo c'est coopération espagnole qui finance construction bâtiment ça pour une valeur 900 millions goud après réalisation réseau adduction réseau Aquin que directeur général là t'a parlé donc t'es gen nécessité pour nous te construire nouveau bâtiment ça hein, pour loger CTE Aquin. C'est un bâtiment qui est né sur environ 300 mètres carrés qui gagne la donne une salle de réception, c'est fait pour les clients. Nous gagnons direction en proprement dit. Nous gagnons la donne un espace qui est réservé pour activité et administrative. Yo. Nous gagnons justement un espace qui est réservé pour responsable technique là, avec responsable social. C'est en gros ça qui composait bâtiment ça. Premier projet qui est réalisé dans la ville Aquin à hauteur de plus de $2 millions, c'est ça relé la partie adduction. Ça veut dire que fait prend sous cela capter li fait étude hydrogéologique pour nous est-ce que sous ça cabaille de l'eau pendant toute année et puis après construit ça relé réseau d'adduction gros maman tuyau et bien ça c'est financement coopération espagnole
là à côté nous y est là derrière dôme là ça c'est un bureau flambant neuf qui pas qu'au même fin équipé ou bien nous pas qu'au fait toute installation matérielle parce que nous tenons un petit bureau qui pas agréable mais gros bureau ça flambant neuf ça c'est encore financement coopération espagnole. Responsable dîner pas fait qu'on a gain divers travaux déjà réalisé dans réseau de l'eau dans ville Akin pour qu'on y a yo déjà gain un fonds qui disponible qui évalué à $600,000 américains pour passer ti en bataille yon façon pour distribuer de l'eau bay moun k'ap viv dans commune là. Et immeuble flambant neuf ça li financé par la coopération espagnole à hauteur de près de 9 millions de gourdes. Et tant que déjà dit li dit tout bagay déjà. Prochain travail n'a pour nous faire dans ville là c'est réparer réhabiliter externe réseau de distribution et réseau hydraulique ville et Akin. Donc c'est un financement de près de $600,000 américains qui vient suite à et près de $3,000,000 américains que coopération espagnole t'a dépensé dans et réhabiliter réseau adduction et de l'eau potable dans ville Akin. Question déboisement affecté plusieurs sources qui te connent permettre aux jeunes de l'eau pour alimenter département dans de l'eau potable. Responsable fait qu'on ait un plan étude qui déjà fait pour qu'on ait sources qui fonctionnent dans la région. Et puis, je nous ai dit dans grand titre 37 mois en plus pour un coronavirus, ça qui fait gagner 6727 cas COVID-19 en Haïti. Avec 139 personnes qui ont perdu la vie et puis 2 924 personnes traitées, d'après note numéro 101, ministère Santé publique et population fait sortie dans la date 12 juillet 2020. Autorités sanitaires ont demandé aux populations pour continuer à respecter les principes d'hygiène et les consignes. Le ministère a demandé pour nous toujours mettre masque, toujours songer à tout le monde 3 pas distance. Lavez mes nous et puis évitez mettre mains dans jet, dans nez ak nan bouche. N'a enchaîné ensemble avec directeur général ministère santé publique ak population docteur Loré Adrien qui placé pendant week-end passé à yon centre en production oxygène dans local centre médical Beraka dans la pointe des Palmis dans commune Port-de-Paix. Yon initiative qui rentre dans quatre batailles l'État haïtien a mené contre coronavirus. Marc Edi Osam pour détail. Centre de production oxygène ça a une capacité pour produire 50 bonbons d'oxygène par jour, capable utilisé dans différents centres hospitaliers dans le département nord-ouest là. Ça qui va aider dans la prise en charge patients COVID-19 surtout, selon précision, directeur général MSPPA, Dr. Loré Adrien, qui remercie le président Jovenel Moïse pour l'initiative ça. Moi, voyons remerciement pour le président de la République. Là. Son façon pour me dire, nous, ça c'est projet. C'est un bagage que le président défend partout, cette histoire de placer des générateurs d'oxygène dans les départements. Dans l'investissement que l'État ici a fait pour faire réponse à la maladie coronavirus, il y a une stratégie que nous avons mis en place et que l'autorité a accepté. C'était ça, nous avons fait des investissements durables. Nous avons fait des dépenses intelligentes. Ça veut dire ça. Ça veut dire que si vous mettez un générateur d'oxygène dans le département, même si vous mettez pour faire réponse à la COVID, mais le COVID finit parce que le COVID vient pour le finir. Générateur d'oxygène, ça, s'il bien géré, s'il gagne maintenant ce qu'il fait là-dedans, si moun kap servi avec yoa, respecte tout principe yo respecte, la priorité dans le département, la continue à fournir oxygène pour femmes enceintes qui besoin de césarienne, pour petits bébés qui ont détresse respiratoire, pour grand monde qui peut l'opérer, etc. Carence oxygène qui te gagné dans le département nord de cela, t'as déjà la cause en pile patient, perdu la vie, selon déclaration directeur médical, centre médical Biaka. Docteur Moza Chewibin qui applaudit installation appareil ça par rapport à l'importance li dans sauver la vie monde. Si pendant longtemps, oxygène était considéré comme un produit de luxe dans le département nord-ouest là, c'est à cause que c'est un département qui négligeait. C'est à cause absence d'oxygène. Tant que le docteur Dovilus a signalé ça, il y a un pile malade qui peut-être a gagné un meilleur sort si l'oxygène était disponible dans le centre médical Biraka
et dans tout département. C'est un protocole d'accord qui parle défini en direction sanitaire nord-ouest avec responsable l'hôpital. Biraka, la pointe des palmiers sous mode gestion appareil là avec utilisation produit. D'après DG MSPPI qui m'a déconseillé pour faire bonne gestion sans production oxygène ça dans intérêt population nord-ouest là. Depuis Sidi Kapo la mort pour le père Mok Edi Osam, antenne télévision l'État. Na profite rete ensemble avec ministre Santé publique et population, Dr Marie Greta Roy Clément, qui dressait un bilan lundi 13 juillet sur évolution maladie COVID-19 lan dans monde lan, spécialement dans le pays d'Haïti. Dans l'intervention liant, Dr Marie Greta Roy Clément bay détail sur quantité moun MSPP enregistré dans cas de maladie a. Quantité moun ki mouri et puis ki récupéré soti mois de mars pour arriver mois de juillet 2020. Numéro 1 MSPP a te nan micro Rodney d'Orléans ak Moïse Wilbridge en suivant bout. Pour arriver nan date 12 juillet 2020, selon données OMS yo, gen 12,552,765 moun ki konfirmé à COVID-19 et gagné 561,617 moun qui mouri en bas COVID-19 là. Pour même date là, pourcentage qui moun qui mouri ou bien létalité dans monde là, c'est 4.47%. Gagné en total 215 pays, régions ou soit territoire qui touché à COVID-19 là dans monde là. Toujours pour arriver dans la date 12 juillet, voisin nous, République dominicaine, gagne 44 532 cas confirmés, 1418 nouveaux cas, et puis gagne en tout 897 monde qui mourit. Dans la région, dans la CARICOM, avec la région Caraïbes, gagne 68 252 cas confirmés, avec 1438 moun qui mouri. Dans les dernières 24 heures, la région Caraïbes qui tout gen CARICOM dans la dan, comptait 1796 nouveaux cas confirmés, avec 29 moun en plus qui mouri. Dans la région Caraïbes, Haïti, c'est le troisième pays qui gen plus cas. Livini, après Porto Rico, donc Haïti c'est le troisième pays qui gagne plus cas, et dans le monde entier, ça veut dire dans 215 pays qui gagne cas COVID confirmé, Haïti c'est 85e pays dans le monde qui gagne cas confirmé COVID-19. Comment ça y est dans le pays d'Haïti? Jusqu'à date hier, dernier site REP qui sorti hier soir, li bay 6,727 cas confirmés. Hier, dans le nouveau site Replantou, nous dit que nous gagnons 37, nous confirmer 37 nouveaux cas et nous pas confirmer aucun cas monde qui mourir. Mais dans total depuis mars jusqu'à date, nous gagnons, nous confirmer 139 monde qui mourir et qui ban nous en létalité actuelle pour Haïti de 2.07%. Nombre d'alertes que nous te recevoir, ça veut dire pour nous deux mondes qui te gain, qui te paraît suspect, qui te des cas suspects, de nombre d'alertes ça te gain 15,321 alertes que nous te recevoir et nous te réussi tester 14,438 et monde dans alerte ça 438 tests, nous avons réussi à faire 14,438 tests parmi 15,321 alertes SAO qui te baillé. Depuis la mi-temps mois de mai, plus moitié tests que nous avons fait est positif. Mais nous avons remarqué que dans la dernière semaine SAO, la quantité de cas qui positif a baissé en pile et nous sommes capables de dire que l'y passer de plus de 50% à moins de 30% dans dernière semaine ça yo gagné 2924 moun qui récupéré
soit 43.5% de cas actifs ou bien de cas que nous avons testés. Et le nombre de monde que nous avons enregistré sous frontière là, et après nous faisons triage pour eux, c'est 72 807 monde. Et tant qu'on a tout pays, il y a moins de femmes qui prennent cette tendance-là, il y a moins de femmes qui prennent maladie, il y a plus de garçons qui prennent. Donc nous sommes capables de dire en Haïti, 40.76% de cas que nous joignons, c'est femmes et compte 59.24% garçons. Il y a 189 monde en quarantaine institutionnelle et nous avons 5.296 monde en quarantaine domiciliaire. Ça veut dire c'est la caille monde que monde n'a été 14 jours en quarantaine isolé de famille et puis de pas sorti. Donc nous avons 5.296 monde en quarantaine domiciliaire. Toute commune dans le département NIP des maladies. 88% communes dans le département Latibonite des maladies et puis 90% communes dans le département l'Ouest des maladies à tout. Et c'est le département Nord-Est qui a plus petite commune qui touché à la maladie, soit 69%. Zone métropolitaine, non, c'est zone qui a plus de monde qui fait maladie à 4972 cas confirmés sur un total 6727 cas confirmés, ça qui bat un pourcentage 73.91% sur la quantité de cas confirmés dans le pays. Selon le dernier chiffre qui est disponible, la commune d'Elma vient dans la tête de l'isla avec 1229 cas. Port-au-Prince avec 1045 cas, Pétionville 757 cas, commune Taba 612 cas, Croix-des-Bouquets 461 cas, Carrefour 369 cas. Donc pour qu'on y ait, nous capables de dire que ces zones métropolitaines qui se foyer côté COVID-19 là plus ga école dans pays. L'autre information n'a porté pour nous dans le téléjournal ça. Nous tête collée avec deux magistrats adjoints. Magistrat Croix-des-Bouquets, Ronny Collin, l'ouvrit officiellement lundi 13 juillet à Place publique Bon Repos qui baptisait Gros Roche. Réalisation Place publique ça qui gagne là-dedans diverses infrastructures culturelles, rentrée dans le cadre plan développement communal d'après autorité communale. Louis-Nel Jean-Louis avec Michel Joseph Abdinou Plus dans compte rendu ça. Construit sur une superficie 3655.3 m2 avec un périmètre 246.8 m2 linéaire, Place publique ça qui pote nos gros roches dans Bon Repos commune Croix-des-Bouquets qui gagne là-dedans un kiosque avec terrain de jeu pour faciliter plus loisirs dans localité à avec zone qui tout près yo. Magistrat principal commune Ronny Collin déclaré Place publique ça a réalisé grâce à contribution citoyen yo. Je dis à Andy, Place Bon Repos, sans que nous battons inaugurer ou engouement population Bon Repos, population chrétienne n'a gagné pour lui. N'a pas dit merci tout avec famille Colin qui te met des terrains ça disponible qui te fait don avec mairie Croix-des-Bouquets pour te capable bail pour faire un espace place pour tout monde venir jouer. Je dis à grand pile monde qui t'a contacté famille ça qui mande espace là soit pour faire maquette pour faire pompe gasoline. Mais nous-mêmes, nous grandissons la population Bon Repos, nous connaissons ça au besoin, parce que tout le monde Bon Repos qui toujours demandé une place. Je dis à nous choisir pour nous dire nous faire place publique, côté pour tout le monde vient jouer, côté pour grand monde bailler rendez-vous. Je dis à nous capable de dire Bon Repos, qu'on lieu de rendez-vous. Ça veut dire qu'on doit dire, maintenant nous sur place Bon Repos, place Gros Roche là. Ça veut dire Bon Repos, qu'on adresse, je dis. Travail construction place publique Gros Roche là coûté 7.971.173 goud d'après autorité communale yo. Rapidement, n'a jambé dans l'actualité en sous plan international. Nous prenons dans pays États-Unis pour nous dire
Depuis la pandémie COVID-19 l'a commencé, c'est la première fois que le président américain Donald Trump mettait masque. Président Trump t'a toujours demandé pour tout le monde pas approcher près lui parce qu'il t'a décidé de pas mettre masque, mais décision ça a changé depuis samedi 11 juillet. N'a pas invité nous suivre. Président américain Donald Trump récit mettait masque depuis la pandémie a commencé. Il mettait pour t'al visiter quelques soldats américains qui l'hôpital la ville Washington. Pandémie a battu l'autre record samedi 11 juillet 2021 avec plus passé 66 000 cas dans 24 heures. La ville Texas, l'hôpital yo pas ka prendre moun encore. Yo tourné confiné moun yo dans ville Atlanta. Épidémie a continué valer terrain tout dans état Floride, mais ça pas empêché ouvrir parc attraction Disney dans la ville Orlando. Situation créé tension sur réseaux sociaux. N'a toujours été dans l'actualité en l'autre bord de l'eau pour nous dire dans l'idée pour témoigner assistance gouvernement français. Premier ministre Jean Castex fait une visite dans Guyane. C'était occasion pour premier ministre français à analyser situation département, bay moun yo quelques conseils et puis tendre revendications quelques travailleurs la santé. On suit. Depuis l'Elinoméa, c'est la première fois que Premier ministre français Jean Castex quitte le pays la France. L'Ital fait une visite 8 ans en Guyane. Département français a qui toujours en bas de l'agence sanitaire pour arriver 30 octobre, c'est une région où le coronavirus est la plus touchée. Dans la ville Cayenne, qui est la capitale du département de Guyane, Premier ministre a assuré la mobilisation du gouvernement français. La visite ça, c'est pour témoigner la population Guyane en solidarité et engagement de la République française. Après l'été fin visité un avion sanitaire, Jean Castex te rend li nan l'hôpital la ville Cayenne côté li félicité travail la santé yo. Li constate gen amélioration, mais li mande Guyane yo rete vigilant. Yon soyan te profite mande li plus moyen pour yo bay moun maladie a atteint yo pi bon soin. Depuis mois mai 2021, épidémie a propagé en pile sous territoire Guyanais à cause li tout près Brésil qui se yon nan pays épidémie a plus ravagé dans monde la. Président Jovenel Moïse visité pendant week-end passé à centrale électrique dans ville Jérémy. Chef l'État promet qu'il prend le travail avec l'équipe li pour un fonctionnel moteur dans l'idée pour améliorer production courant. Michel Présumé installé lundi 13 juillet comme nouveau directeur général électricité d'Haïti. C'est ministre Travaux publics, Transports et Communications Nader Joasseus qui dirigeait cérémonie installation qui déroulait dans le local ministère. Ministère Santé publique et Population annoncé 12 juillet 2021 gagné 37 personnes en plus qui prend coronavirus. Ça qui baille en total 6727 cas confirmés, 139 personnes qui mourent à 2924 personnes traitées. Centre médical Beraka dans commune Podpaix bénéficie d'un centre production oxygène. C'est directeur général ministère Santé publique et population, Dr. Lauré Adrien, qui placé le pendant week-end passé. N'actualité en l'autre bord de l'eau, pour première fois depuis le coronavirus paraît dans le monde, le président américain Donald Trump paraît en public avec un masque dans figure. Merci tout le monde qui t'a suivi. Premier sorti téléjournal pour semaine ça en présentation, c'était Linela. N'a remercier toute équipe là qui t'est mobilisée pour te river en ni possible et puis n'a souhaité nous toutes amis téléspectateurs une très bonne soirée et une très bonne semaine sous TNH et puis n'a dit nous continuer respecter consigne d'hygiène. Au revoir.